today at the Petit Auditorium. First of all, I would like to thank you for being here again in our conference, in our Congress, World Congress of the Study of Freemasonry. It is important to us to have this conversation between the different people who are doing research on Freemasonry, and also those who are members of the craft, and those who are scholars, or just the audience in general. Thank you for being here, and we invite you to send us your collaborations to our journals. We have the journals Ritual and Civil Society, that you can find us in IPSONet at .org, IPSONet.org. And today it is my great pleasure to introduce a great friend and colleague, and arguably Monsieur Rogelio Aragon. Rogelio Aragon is of the independent scholars of Freemasonry in Mexico, the one that I respect the most because of his work and dedication to this topic. The title of his thesis was Against Church and State, Freemasonry and the Inquisition in New Spain from 1760 to 1820. This research has led him to do work between the separation of church and state in Mexico, which, as you may know, took place in the mid-19th century. And also recently, a couple of years ago, he was one of the editors of a volume entitled 300 Years of Freemasonry and Freemasonries. It's a 5-volume collection of volumes that were published first in Mexico, then in Spain, and now in Argentina. It's in Spanish, 300 Años de la Masonería, Masones y Masonerías. That's the original title. And without further ado, it is my great honor and pleasure to introduce Rogelio Aragon, who is going to talk to you about a very interesting French Masonic lodge in Mexico during the time of the Inquisition. Rogelio. Merci beaucoup. D'abord, je veux vous dire que parfois, je parle trop vite. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si je commence à parler trop vite, dites-le moi, s'il vous plaît. En profitant qu'on n'est pas beaucoup, alors on peut le faire un peu plus interactif, non? Alors, en 1899, l'expert minier et franc-maçon américain Richard Kissen publia un livre intitulé « Une contribution à l'histoire maçonnique du Mexique ». Donc, Kissen examine le rôle de la franc-maçonnerie dans la politique mexicaine et la politique de la franc-maçonnerie mexicaine. C'est curieux que les francs-maçons américains ont toujours voulu comprendre la franc-maçonnerie mexicaine, parce que pour eux, c'est un monde complètement différent, quoi, parce que bon, en Amérique, la franc-maçonnerie n'a pas de problème comme il y avait des problèmes entre les différents rites maçonniques au Mexique. Et le point de départ de ce livre-là est 1806, parce que selon Kissen, c'était l'année que la première loge maçonnique a été établie au Mexique. Son récit à ce sujet est très bien écrit et très romantique du point de vue littéraire, parce qu'il parle de tous les problèmes qu'il y a eu pour établir cette loge-là. Et selon lui, Miguel Hidalgo, le père de la patrie mexicaine, que c'est l'équivalent mexicain de George Washington, a été initié dans cette loge et il a été là où il a pris contact avec les idées des Lumières qui l'ont poussé à commencer la guerre mexicaine d'indépendance. Est-ce que Kissen a eu accès au dossier de la loge? Pas du tout. Il n'offre pas une seule preuve pour étager son compte. Alors, où est-ce qu'il a entendu parler de cette loge?
15 ans plus tôt, José María Mateos, l'un des fondateurs du rite national mexicain, c'était un rite maçonnique créé pendant les années 1820 comme une alternative au rite de York et au rite escocais qui était en train de lutter politiquement dans ce moment-là au Mexique. Et alors un groupe de francs-maçons ont dit on va faire un troisième rite pour éviter toutes ces luttes politiques entre les centres de rites. Ça n'a pas marché, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et José María Mateos, un des fondateurs de ce rite-là, le rite national mexicain, il publia son livre « Histoire de la franc-maçonnerie au Mexique » de 1806 à 1884. Comme on l'a déjà deviné, Mateos prétend que la franc-maçonnerie mexicaine a commencé en 1806 et Quisme, le maçon américain, il a obtenu cette information de lui. Alors, quelle preuve avait Mateos de l'existence de cette lodge? Il nous dit, il n'y a pas de document officiel sur les origines de cette lodge, d'où elle était venue ou combien de temps elle restait active, ni si elle n'avait pas des objectifs politiques. Mais nous devons croire qu'il a été dans cette lodge-là où l'idée d'un Mexique indépendant a pris forme, parce que tous ses membres ont participé à la promotion de cette idée. Passons maintenant aux années 50 du XXe siècle. C'est alors que Jesús García, un prêtre catholique mexicain, a écrit la franc-maçonnerie dans l'histoire et les lois du Mexique, sous le nom de plume Félix Navarrete. Le livre est furieusement antimaçonnique. Navarrete blâme les maçons pour toutes les lois et les deux constitutions qui ont été approuvées au Mexique, qui ont sapé le pouvoir politique et économique de l'Église catholique entre 1850 et 1930, mais ça ne les considérait comme une conspiration. Malgré son aversion pour la franc-maçonnerie, Navarrete prend le compte-rendu de Mateos sur les origines et les illustres membres de la loge de 1806 au pied de la lettre. Il n'y a pas de document et il serait enfantin de les demander, écrivait-il. Même les chercheurs plus sérieux et académiques tendent à ignorer toute activité maçonnique au Mexique avant les années 1810 comme purement fortuite, même anecdotique, en affirmant que cette activité était seulement à un niveau individuel, qu'il n'y avait pas de loge réelle ou de réunion maçonnique officielle à cette époque-là, et à juste titre, que ces maçons étaient tous des étrangers que nous ne connaissons que grâce à l'Inquisition, et qu'ils n'ont eu aucun impact réel dans la création ou le développement de la franc-maçonnerie mexicaine postérieure. Seulement deux auteurs ont écrit en détail sur le franc-maçon au Mexique au cours du XVIIIe siècle. Nicolas Rangel, un journaliste et historien, a publié en 1932 un livre en deux volumes appelé « Les précurseurs idéologiques de la guerre d'indépendance mexicaine » dans lequel il analyse les idées de ceux qui ont embrassé les idées de la Révolution française et qui ont parlé contre la monarchie comme une forme de gouvernement, mais aussi qui ont été accusés, emprisonnés et punis par l'Inquisition. Rangel a consacré le deuxième volume de son livre à la franc-maçonnerie et aux francs-maçons jugés par l'Inquisition, pas seulement pour leur filiation maçonnique, mais pour exprimer des idées contre l'Église et l'État. Le livre est écrit d'un point de vue très nationaliste au cours d'un moment vraiment très nationaliste aussi dans l'histoire du Mexique, les années 30. Et ses conclusions que toutes les idées contre l'Église et l'État qu'il a trouvées dans le processus de l'Inquisition étaient des antécédents de la guerre d'indépendance mexicaine sont honnêtement quelque peu exagérées. À la fin des années 1940, Luis Sals, un maçon mexicain de 33e degré, a écrit un livre en deux volumes, Notes pour l'histoire de la franc-maçonnerie au Mexique, de mes lectures et de mes souvenirs. Dans le premier chapitre, Sals cite, ou plutôt copie au pied de la lettre, des fragments du livre de Rangel et partage son même enthousiasme pour les précurseurs de l'indépendance mexicaine, surtout à propos des francs-maçons poursuivis par l'Inquisition à la fin du XVIIIe siècle. Et rejette complètement le récit de José María Mateos sur la loge de 1806 à cause de faute de preuves.
Ce processus de l'inquisition contre les francs-maçons à la Nouvelle-Espagne va de 1760 à 1820 et il offre un aperçu unique de conflit entre les Lumières, dans les plus larges sens, et l'établissement conservateur représenté par l'Église catholique et la couronne espagnole. Parmi les francs-maçons portés devant le Saint-Office pour être jugés était un soldat italien qui disait que les sacrements de mariage et de pénitence étaient pure absurdité et que la Sainte Trinité était impossible parce que ne rien peut être un et trois en même temps. Un Espagnol qui tout le monde soupçonnait qu'était en fait anglais et qui défendait l'Église anglicaine et pensait que Copernic avait raison parce que la terre c'est qui bouge et pas le ciel et les étoiles. Un homme qui a dit qu'il était nécessaire, et moi je le dis, je m'excuse, mais il a dit comme ça, et c'est écrit là sur son dossier, d'envoyer se faire foutre à tous ceux qui portent une couronne sur la tête, y compris le pape. Et en plus, c'est drôle parce que, bon, dans son dossier, les témoins disent qu'il a dit ça, non, de s'envoyer se faire foutre à toutes les têtes avec une couronne. Mais que si chaque fois qu'il voyait le prêtre, il commençait à hurler des choses, et que même une fois il avait un verre dans la main, quand deux prêtres sont passés par la rue, il a jeté le verre contre les deux prêtres. Alors c'était vraiment quelqu'un de très anticlérical, non? Et aussi, entre ceux qui ont été jugés par l'Inquisition, était un Français qui a dit que ses compatriotes ont bien fait en décapiter Louis XVI parce qu'il était un ivrogne et la reine une pute. Et ça, c'est aussi le secret dans le dossier. Ce dernier Français s'appelait Juan Lausel. Et maintenant, je vais utiliser son nom et celui de ses compatriotes comme ils apparaissent dans le dossier de l'Inquisition, c'est-à-dire dans une version espagnole lycée. Non, on peut deviner un peu comment c'était le nom français, mais bon, je vais utiliser les noms espagnols lycée. Non, Lausel était un cuisinier au service du comte de Revillagigedo, le vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Vraisemblablement, Lausel avait déjà montré son soutien en faveur de la Révolution française et s'est vanté d'être franc-maçon devant les autres membres du personnel au service du vice-roi. Mais apparemment, le comte aimait bien son cuisinier et il n'a pas permis à personne de l'accuser devant l'Inquisition. Mais le successeur de Revillagigedo, le marquis de Brancifort, a lui-même averti le Saint-Office du comportement de Lausel à travers une lettre qu'il a envoyée à l'inquisiteur en septembre de 1794. Selon le témoin, parmi eux une femme avec qui Lausel a engendré une fille illégitime, Lausel désapprouvait publiquement le gouvernement espagnol, tout en louant la République française récemment fondée. Et il faisait l'éloge de la franc-maçonnerie en affirmant qu'il était franc-maçon, tout comme le défunt roi Louis XVI avait été. Et il a dit plusieurs fois que le sacrement de la pénitence était complètement absurde. Et il s'est vanté d'acheter des indulgences chez les prostituées locales à 3 pesos chacune. Lausel a dit aussi que la monarchie était une forme illégitime de gouvernement, qu'il n'y avait pas de raison pourquoi un seul homme devrait régner sur tous les autres, qu'il espérait que l'Assemblée française pourrait étendre son influence en Espagne pour aider les Espagnols à renverser le Bourbon, qu'après la Révolution, la vie était meilleure en France qu'ailleurs en Europe, grâce au nouveau gouvernement et parce qu'il n'y avait plus de prêtres et de juges pour extorquer l'argent aux citoyens. Mais il n'était pas le seul à avoir exprimé telle pensée. Nicolas Tagui, un horloger français, ami de Lausel, a dit dans une conversation avec lui devant de nombreux témoins que les Français pouvaient maintenant vivre et travailler en paix parce qu'il avait renversé les tyrans qui les gouvernaient. Lausel a convenu et il a dit que le français serait le restaurateur de la liberté pour toute l'humanité. En même temps, le français Jerónimo Portatuy, ça c'est drôle parce qu'il a espagnolisé son nom parce qu'il prétendait être espagnol, mais en fait il était français. Esteban Morel, un médecin, Juan Langurán, un marchand, et Juan Marie Mourgier, un capitaine de l'armée,
ont également été emprisonnés par l'Inquisition sous les accusations d'exprimer des idées contre l'Église et contre l'État. Ce n'était pas une coïncidence qu'à l'époque que tous ces hommes avaient été capturés et inculpés, l'Espagne et la France combattaient la guerre du Roussillon, l'un des nombreux épisodes de la guerre entre la première coalition et la France. Selon le témoin, Losel se comportait étrangement pendant la messe. Il couvrait sa bouche chaque fois que le prêtre présentait l'hôte, et quand il était dans la rue et une procession religieuse passait, il ne s'enlevait pas son chapeau ni s'agenouillait comme tout le monde. Il était également connu pour avoir des rapports sexuels avec beaucoup de femmes, et après avoir analysé toutes les preuves contre lui, l'officier d'inquisition nommé pour examiner son comportement a déclaré qu'il était un monstre d'irréligion et libertinage, est un séditieux promoteur de l'anarchie. Mais en dehors de ses réflexions sur la religion et la politique et son comportement bizarre lors de cérémonies religieuses, ce qui est le plus intéressant au sujet de Losel, ce sont les personnes qu'il fréquentait. Après avoir été emprisonné par l'Inquisition, le cuisinier français a avoué qu'il est devenu franc-maçon alors qu'il vivait encore à Montpellier, que beaucoup de ses amis et connaissances, tous des Français, étaient des francs-maçons et qu'ils se sont tous réunis à la maison du horloger Esteban Laroche, surnommé le Bossu. Et son nom, le nom du Bossu de ces personnes-là, Esteban Laroche, il apparaît dans beaucoup des affaires ouvertes contre les Français en Nouvelle-Espagne, tant par l'Inquisition que par les autorités civiles. Et là, à la maison de cet horloger-là, il lirait toutes sortes de livres et des papiers interdits en Espagne et ses colonies, qu'il aurait aussi à passer ces livres et ces papiers provenant de la France et des Pays-Bas cachés en emballage contenant des marchandises. Et ceux qui fréquentaient la maison de Laroche étaient un médecin nommé Durey, un fabricant de bas de soie nommé Lully, est un coiffeur nommé Duroy. En plus de se réunir chaque fois qu'il recevait une nouvelle cargaison de livres et de papiers de contrebande, il se réunissait à une date très spéciale. Tous les 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste, un événement célébré par les francs-maçons du monde entier. Selon Losel, il se réunissait pour manger et boire de la même façon habituelle à la loge qu'il fréquentait à Montpellier, qui autour de cette époque-là était un centre d'activité maçonnique très bien connu. Dans sa déclaration, Losel a dit que Laroche, Durey et Lully l'ont salué avec une poignée de main très similaire à ce qu'il avait appris à son initiation. Il s'appelait le verre canon et à chaque toast, ils diront d'abord attention, puis feu, double feu ou triple feu. Est-il déplacé le verre de gauche à droite, puis au centre, avant de voir? Et après tout ça, il soutenait le verre vide en face d'eux pour quelques instants avant de le claquer sur la table. Losel a déclaré qu'à Montpellier, tous les toasts étaient au nom du roi. Oui, comme ça. Comme on le fait maintenant au Mexique, quoi, non? Au Mexique, on dit quoi? Ouais, voilà. Et Losel a déclaré qu'à Montpellier, tous les toasts étaient au nom du roi, de la reine et du dauphin. Malheureusement, il ne donne aucune information à propos de qui les toasts ont été consacrés à la loge mexicaine. L'historien des francs-maçons français Pierre Mariel nous offre un aperçu de ces loges de table du XVIIIe siècle et leur rituel dans son livre « Rituel et initiation dans les sociétés secrètes ». Les rituels représentés par Marielle comme habituels dans les loges françaises de table coïncident avec ceux décrits par Losel. Ils sont même similaires à ceux qui ont été utilisés lors des réunions de loges en Angleterre, aussi au cours du XVIIIe siècle. Dans son article « Quand il chante la performance des chansons dans les loges anglaises au XVIIIe siècle », le professeur Andrew Pink reproduit des fragments de textes maçonniques dans lesquels nous pouvons lire que les francs-maçons anglais levaient aussi un toast au tout le roi, les princes et même à l'empereur de l'Allemagne. Un autre Français qui a été accusé de francs-maçons devant le Saint-Office au Mexique,
C'était un vendeur itinérant et contrebandier de livres interdits. Il s'appelait Pedro Bourdales. Et il a déclaré qu'il était conscient que certains de ses compatriotes se réunissaient dans une maison dans la rue San Francisco pour discuter de la politique, mais qu'il ne les avait jamais rencontrés. Juan Esteban Laroche, le bossu, il est décédé en prison en 1798. Domingo Durey n'a jamais été chargé d'être franc-maçon et il a été libéré parce que son avocat a affirmé qu'à la Nouvelle-Espagne, ce n'était pas un crime de critiquer le roi de France. Juan Losel a été condamné en août 1795 au bûcher dans son auto de fé avec les autres Français que je mentionnais avant, Langouran, Morel et Murger. Morel s'est enlevé la vie en prison. Il s'est coupé la gorge avec les ciseaux utilisés pour raccourcir les mèches de bougie. Et c'est dommage que je n'ai pas une image de ce truc-là, parce que si on le voit, on comprend que c'est vraiment difficile de se tuer avec ce truc-là. Et le capitaine Murger s'est enfermé dans sa cellule et a retenu en otage un des médecins militaires qui s'occupait des prisonniers de l'Inquisition. Il exigeait tout son dossier afin qu'il puisse le brûler, une lettre signée par les inquisiteurs l'exonérant de tous ses crimes, deux pistolets et assez de poudre canon. Après l'échec des négociations, les autorités ont menacé de casser la porte. Au moment qu'ils l'ont fait, Murger se poignarda dans la poitrine avec l'épée qu'il avait volée au médecin. Comme d'habitude, le processus contre les deux prisonniers suicides est continué. Le cadavre de Morel serait paradé et puis enterré en portant le San Benito. Vous connaissez cette espèce de veste qu'on mettait aux prisonniers de l'Inquisition, en montant ce qu'ils avaient fait, non? Le cadavre de Murger serait brûlé publiquement et ses cendres dispersées. Les peines de Losel et Langouran ont été commuées. Il serait paradé publiquement en portant le San Benito, ce veste-là, avec les insignes de blasphème et d'hérésie, et les capuchons coniques connus comme le Corosa. Vous connaissez ces capuchons qu'on voit toujours dans les représentations de l'Inquisition. Et aussi avec une corde attachée autour de leur cou. Losel sera banni des Amériques et envoyé en Espagne pour servir sa sentence de 300. C'était là la dernière fois qu'on a entendu parler de lui de ce côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, pas de ce côté de l'Atlantique. Bien que je ne suis pas d'accord avec les conclusions de Rangel et je ne partage pas l'enthousiasme de Sals sur l'importance de la loge de table établie par Losel et compagnie, je dois dire que j'approuve ce dernier dans son examen de cette loge comme la première tentative d'établir un corps maçonnique organisé au Mexique. Et avec son affirmation que la loge de 1806, mentionnée par Mateos Equisme, n'a jamais existé. Nous ne saurons probablement jamais avec certitude combien de fois ils se sont réunis, ni à quelle fréquence. Nous pourrions aussi ne jamais savoir si d'autres hommes, ce qui Losel a mentionné dans sa déclaration, fréquentaient cette loge, ou s'il avait admis ou initié des Espagnols ou des Criollos, que c'était les Espagnols, le fils des Espagnols mené déjà en Nouvelle-Espagne. Et nous ne saurons certainement pas s'il y avait une sorte de régularité maçonnique ou s'il y avait des contacts avec des autres loges ou francs-maçons à l'étranger. Surtout parce que Francisco Vidal, un des assistants de Laroche, a brûlé tous les livres et papiers qui appartenaient à son maître juste après qu'il était capturé par l'Inquisition. Nous pourrions aussi bien ne savoir jamais si c'est qu'Agustin Rivera, un prêtre catholique qui écrit l'une des biographies les plus vastes de Miguel Hidalgo, le personnage que je vous ai parlé avant, l'équivalent mexicain à George Washington, a déclaré dans une interview avec Salce. Louis Salce a visité Rivera en 1902, quand il avait 80 ans. Rivera lui a demandé s'il croyait qu'Hidalgo est devenu franc-maçon en 1808, tout comme Mateos avait dit dans son livre. Rivera lui a donné plusieurs raisons pour lesquelles il ne croyait pas au comte Mateos. Mais il a laissé entendre que si Hidalgo avait été en contact avec la franc-maçonnerie,
il aurait pu être à travers un mystérieux français qui était un de ceux qui s'est réuni à la maison de La Roche et qui était le pourvoyeur d'Hidalgo des livres français. Le seul homme qui correspond à cette description est Pedro Bourdelet, le français marchand ambulant et contrebandier des livres qui a refusé devant l'Inquisition toute collaboration avec La Roche et Locelle, mais qui a admis qu'il savait de leur union. Bien que Bourdelet a été accusé d'être franc-maçon et distributeur de livres interdits, le Saint-Office n'a pas pu rassembler assez de preuves contre lui et il a été mis en liberté. Encore une fois, on ne saura probablement s'il est retourné à son métier avec son affaire avec l'Inquisition, ni s'il a vraiment rencontré Hidalgo. Après tout, nous pouvons conclure que la loge de La Roche et Locelle, ce que Richard Kism a conclu sur l'inexistante loge de 1806. Kism nous a dit: les origines de cette loge se sont perdues il y a de nombreuses années dans la mer de la Révolution. Peut-être quelque part en Europe ou dans les Amériques, ces livres et ces archives existent, et peut-être qu'un jour ils verront la lumière à nouveau, tout comme beaucoup d'autres reliques de moindre importance ont vu la lumière, entassées dans les étagères d'un marchand de livres rares et antiques. Nous ne saurons jamais si cette loge avait un brevet ou si c'était juste un rassemblement de francs-maçons essayant de relancer cette ancienne prérogative de la franc-maçonnerie, étranglée il y a longtemps par les grandes loges, de l'association libre et spontanée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rogelio. We will entertain some questions. But before that, I just wanted to, since I have the microphone and I also study Mexican Freemasonry, I would like to point out a couple of things that are important to consider. For example, how the Inquisition used, and I would like to, this is, will be your reaction to, so let's start with a discussion and then open to questions. How the Inquisition used many exemplary punishment cases. In this case, why Locelle and La Roche were burned at the stake, among others, but not Pedro Bourdelet. So on the one hand, the Inquisition wanted to make public that those kinds of practices, satanic Masonic practices against the Catholic religion, were wrong. On the other hand, Pedro Bourdelet, the person who distributes the books which many priests read, was not burned at the stake. This is what I call, tell me who you are and I will tell you what is your punishment. That is sort of like an Inquisition situation that I also do in my research. So I just wanted to hear your reaction to that, Rogelio. That's one. And the other, I wanted to, for those of you who are not very familiar with us who do research on the other side of the Atlantic, to find evidence like our colleagues did before, even if in the European cases, in France, Britain, Germany, where the records are kept very thoroughly, and the major revolutions, apparently they were not keen disappearing the documents. In Mexico, we need to rely sometimes in documents from the Inquisition, or for example, letters that I found at the Grand Orient de France from Mexican presidents or Mexican Masons in order to come up with questions and answers about the Mexican situation. So that's something in terms of the sources, that how sometimes we, when it comes to, in the case of Mexico, I cannot speak about the whole Latin American situation, but in case of Mexico, how we can put together the puzzle, as Rogelio said in the conclusion, that I would like also talk about that. But Rogelio, if you would like to talk about that, about the fact that some of them were punished and some others don't, if you believe in my theory of tell me who you are, and if this was indeed an exemplary punishment to make a case that was not the way in which they wanted the people to join the lodges. So that's the first question for discussion. Merci. Oui, c'est vrai que... Put your headphones on.
Et oui, c'est vrai qu'il y avait des différents peines pour les différentes personnes qui ont été jugées par l'Inquisition. Et à ce moment-là, ils sont retournés aux pratiques anciennes parce que l'Inquisition était vraiment... dans ces moments-là, et même dans tout le XVIIIe siècle, on ne trouve plus ces grandes autos de fait qu'on a trouvées dans les siècles, le XVIIe siècle, qu'on a brûlé des juifs et des autres, et beaucoup de autres personnes. Au XVIIIe siècle, le Saint-Office, il fait presque vraiment rien, non ? Et il n'y avait pas assez de prêtres qui voulaient être dans le Saint-Office parce que c'est, les gens, la population en général, ne le voyaient pas avec de bons yeux. Non, et alors, une personne voulait appartenir au Saint-Office. Il n'avait pas assez d'argent. Et aussi, le Saint-Office de la Nouvelle-Espagne, c'est devait voir aussi le processus et tout ça des Philippines. Alors, tu imagines, de l'autre côté du Pacifique, alors c'était, il n'y avait pas assez de personnes qui travaillaient pour faire ça. Et alors, ils sont laissés en liberté beaucoup de gens. Que dans les yeux de l'Inquisition espagnole, que c'était leur centrale, et ils ne devraient pas laisser aller. Je me rappelle le cas d'un soldat irlandais qui était dans un régiment des étrangers qui s'appelle le régiment d'Ultonia, que c'était un régiment espagnol mais formé par des étrangers, et c'était un soldat irlandais. Il est allé avec le prêtre du régiment pour lui dire qu'il avait été initié franc-maçon en Angleterre par des Anglais. Et alors, le prêtre, il n'a pas su quoi faire. Il a resté comme ça. Oui, va, si. Tu dis que il faut que tu dises de plus hein, et puis tu dois faire une pénitence, c'est tout, non? Mais alors, il a passé cette information au Saint-Office. Le Saint-Office l'a envoyé en Espagne, comme d'habitude. Et 300 ans après, ils ont reçu une lettre d'Espagne pour dire à l'Inquisition mexicaine, oui, à l'Inquisition de la Nouvelle-Espagne, qu'il ne fallait pas laisser en liberté cette personne-là, qu'il fallait le trouver et lui interroger et savoir qu'est-ce qu'il a fait, s'il y avait des sortes de francs-maçons et tout ça. Et aussi, à ce moment-là, être appelé franc-maçon, c'était un nom ou un terme général pour tous ceux qui étaient contre l'Église et contre l'État. Si tu disais quelque chose contre l'Église ou contre l'État en même temps, alors tu étais franc-maçon. Non, c'était comme la généralisation. C'était comme le terme judaïsant. Ce n'était pas qu'on était juif, vraiment, mais si tu défendais quelques dogmes qui n'étaient pas catholiques ou qui n'étaient pas approuvés par l'Église catholique, alors, tu étais judaïsant. C'était le nom qu'on a mis. Parce qu'il y a aussi beaucoup de processus de l'Inquisition, beaucoup de dossiers, où quelqu'un est accusé d'être franc-maçon. Et puis, on commence à lire le dossier et la franc-maçonnerie n'apparaît plus jamais. Non, c'était seulement celui-là, il est franc-maçon. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la religion, et que l'État et tout ça. C'était le nom pour généraliser, donc c'est ce genre de cas, non? Any questions from the audience? Okay, good. Merci beaucoup pour cette conférence. La question, alors on sait que le Mexique c'est un des 4 pays laïcs dans le monde. Est-ce que la franc-maçonnerie a joué un rôle là-dessus ou pas? Est-ce que ce que vous nous avez raconté a joué un rôle sur le fait que c'est devenu un pays laïque ou pas du tout?
ou est-ce qu'il y a eu un lien? Merci. Merci. Ah, ça c'est une bonne question parce que oui, c'est drôle parce que le Mexique est un des pays plus catholiques du monde, c'est vrai. 90% de la population dit qu'ils sont catholiques, même s'ils ne vont pas à la messe, même s'ils ne suivent pas la religion. Mais aussi, c'est un des pays où l'État laïque a été le plus défendu de toute l'histoire. On a lutté de guerre, vraiment, même au XXe siècle, entre l'État ou le gouvernement, contre des religieux catholiques qui ont voulu rétablir les lois qui étaient favorables à l'Église catholique, non, qui ont été abolies au XIXe siècle. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tout... cette ambiance laïque qu'on a eue à partir du 19e siècle, ça pourrait venir du côté maçonnique. Moi, je crois que oui, parce que tous les hommes qui ont fait ces lois au Mexique pendant le 19e siècle, on était des francs-maçons. Mais aussi les autres, les conservateurs qui voulaient, même les conservateurs qui ont voulu amener un roi étranger et donner encore une fois l'importance à l'Église qu'elle avait avant, parce qu'il y a eu un moment au Mexique qui s'appelle la Réforme, et quand on a pris toutes les possessions de l'Église pour les vendre, et même on a rejeté tout ce que vous avez à voir avec l'Église catholique. Et les conservateurs, qui étaient aussi des francs-maçons, ils ont voulu abolir toutes ces lois et ces constitutions-là. Mais il y avait les autres francs-maçons, les libéraux, même anticléricales, qui voulaient aller encore plus loin. Non? Alors, moi, je crois que oui, que la franc-maçonnerie a joué un rôle très important pour la laïcisation du Mexique. Oui, oui, c'est vrai ça. Thanks very much. I come from Spain, and my question and reflection is about, do you understand English? Yes. Okay. Is about that the Spanish imperialistic campaigns, no, in South America, Africa, and Philippines, and all that, when they finish. Spain lost the last colony, Cuba, no, in 1998. Afterwards, Spain has no countries to, and after all the independence of Latin American colonies, Spain have nothing to do and nothing to take from these ex-colonies, no, ex-countries. And I don't know, because when you spoke about that and comparison with the history that in Spain they teach to children about the kind of sauvage, wild, imperialist, Spanish imperialist. Now we have a parallelism with Freemasonry and Masonry in Catalonia, because the nationalistic Catalan movement from last 19th is commanded by Masons. As you know, U.S. Companys was the president that declared the independence of Catalonia in the 30s. And he was killed by Franco. And afterwards, we had many, many presidents in Catalonia. There are Masons. The most of the independent movement in Catalonia
is integrated with for Catholic Masons, and now we finished yesterday 4 months sentence and judgment against 12 political prisoners that we have, you know, with more than 500 majors prosecuted, teachers prosecuted, journalists prosecuted, tweeters prosecuted, artists prosecuted in Catalonia, only for asking to vote on a referendum for the independence of Catalonia from the Bourbons and from the crown and from the state, the central state in Spain, 1st October in 1970s. That means that I don't know if an exemplar judgment, and they ask the Supreme judge, they ask 25 to 35 years of prison only for allowing to these Catalan political prisoners, political people, and more that other are in the exile in Waterloo, in Belgium, and in Switzerland, and in Great Britain, only for allowing and coordinating with the social, civil society in a pacific way, without war, without violence, a referendum for voting if we want some kind of independence. Do you believe there is any kind of parallelism between this failure of the Spanish imperialists now, and that they want to take our taxes, because is that our taxes, our PAB, our richness in Catalonia, and is this a new inquisition against independence, Catholic independence masonry, or not? Should I answer in English or in French? Or French? Oui, bien sûr qu'il y a des parallélismes entre avec tous les mouvements d'indépendance dans le monde, je crois, non? Parce qu'on le voit même aussi, par exemple, à cette région que je viens d'oublier comment ça s'appelle, Ossétie, non, en Géorgie, l'ex-Union soviétique, non. L'Ossétie du Nord, oui, c'est ça, merci. L'Ossétie du Nord, que les Russes sont en train bon, ils poussent pour cette indépendance, et la Géorgie, elle pousse pour ne pas le permettre. Je crois que dans tout le mouvement d'indépendance, on trouve toujours un, comment on dit, scapegoat en français. Un bouc émissaire. À quoi? Un bouc émissaire. Un bouc émissaire, merci beaucoup. Non, et dans ce cas-là, ce sont les indépendants, ou bien les gens qui sont à faveur de l'indépendance. Dans le cas, par exemple, du Mexique au 19e siècle, c'était les deux prêtres catholiques qui ont tout commencé, c'était Hidalgo et Morelos, et qui ont été aussi jugés et punis d'abord par l'Inquisition et puis par les autorités civiles. Mais je crois que ça, c'est un parallélisme partout dans le monde, non, de trouver toujours quelqu'un qui a la blâme d'être l'initiateur de l'indépendance, non, ou être contre le gouvernement. Je crois que oui, qu'il y a quelques parallélismes, que c'est très intéressant d'étudier, non? The Catholic independence movement is guided by Freemasonry people from many, many kind of observances and rites and kind of masonry, okay? Most of them. But the other side in the central
Spanish government, Socialist Party and Rights Party, there are many, many masonry politics as well. That means that there is a battle and there is a fight between masons now in Spain. Do you understand? Is that what I cannot understand what's happening here, because Zapatero, Socialist Party, most of Bourbon, the king, actual real king we have, and the queen, and all the people of the central government, they are Masons as well. And Catalan movement mostly is guided by Masons. And now we are in a fight between Masons from this independence, no? How do you explain that? Or your opinion, I don't know. Any questions? In Mexico, we had Maximilian in the 19th century with Juarez, and Juarez has had to caput, has to, fusilar, has to, yeah, the brotherhood, I call it in English, brotherhood without brotherhood. Hermandad sin hermandad. Fraternidad sin hermandad. That's what I call. Étranger, c'était Maximilien d'Habsbourg pour être le roi du Mexique, plutôt l'empereur du Mexique. C'était en 1863, je crois, non? Et alors, le président à ce moment-là, c'était Juarez, le président Juarez, et ils ont lutté, quoi, bon, pour voir qui reste au pouvoir. Et à la fin, Juarez, il a vaincu. Et il a tué Maximiliano, bon, il l'a fusillé. Mais on dit, il y a une théorie, qu'on dit qu'il l'a pardonné à Maximiliano parce qu'il était franc-maçon aussi. Mais il lui a dit, il faut que tu t'en ailles. Et Maximiliano s'est en allé en Guatemala, je crois, ou en Amérique centrale. Et là, il s'était marié, il a eu d'enfants, et il n'a jamais parlé de devenir ou d'être le roi ou l'empereur du Mexique. C'est ça ce qu'on dit, non? Mais on ne saura jamais la vérité. Mais on dit ça, que c'était parce qu'il était franc-maçon aussi, qu'il l'a pardonné. Et aussi, pendant la guerre entre les États-Unis et le Mexique en 1847, on a dit que... 46, non? 46. On a dit que les généraux mexicains et les généraux américains étaient aussi tous francs-maçons, alors qu'ils ne luttaient pas, ils ne faisaient pas la guerre vraiment, non, ils disaient, ah, t'es francs-maçon, moi je suis francs-maçon, il ne faut pas lutter, alors allez-y. Et c'est comme ça que les États-Unis, on pris presque tout le, d'abord presque tout le Mexique, et puis ils sont restés avec la moitié, non, avec la moitié du territoire. Mais c'était comme ça qu'ils ne sont pas luttés, parce qu'ils étaient des francs-maçons. Non, c'est ça ce qu'on dit aussi, mais on ne saura vraiment jamais. Non, il n'y a pas d'évidence pour soutenir tout ça. Et alors, c'est pour ça que ce n'est pas difficile, que, même entre les francs-maçons, même quand ils sont ennemis, qu'ils ne doutent pas, ou bien quand ils sont du même côté, ou bien qu'ils sont des francs-maçons espagnols ou des francs-maçons mexicains, qu'ils luttent entre eux, non? Ça dépend, je crois que ça dépend plus de point de vue politique que de point de vue maçonnique, non? Non, je crois. Thank you very much. Merci beaucoup. We need to conclude, and tomorrow we start at the presentations at 9:30. But before that, we will have some refreshments. So thank you very much, y muchas gracias. Thank you.
intéressant. Merci beaucoup.